Ella Etienne, 22 ans, je suis étudiante à Angers, en école de tourisme, donc je suis spécialisée en hôtellerie. Ouais, j'en ai un, ça s'appelle Roller Bounce avec Bowo. J'adore vraiment ce film, c'est vraiment en plus un acteur que j'adore dedans. Dans le film, il s'appelle Sweetness, vraiment trop, je l'adore. J'aime beaucoup la funk. Mais aussi sur du R&B quand je veux un truc un petit peu plus soft. J'aime bien, ça me permet d'avoir des beaux mouvements et tout. Si je danse sur tout ce qui est latino, j'aime bien. Ozuna, tout ça. Ouais, du rap américain. Et c'est tout. J'ai commencé là en janvier 2021. J'ai reçu ma première paire en décembre, mais j'ai commencé en 2021, janvier. Bah, je suis tombée sur la fameuse vidéo d'Umi Janta qui vient de Berlin. Je la trouve vraiment stylée, avec un flow énorme et vraiment belle. Et ça m'a vraiment donné envie de faire du roller et de danser sur des rollers. Mais c'est vrai que je faisais du roller en ligne avant. J'aimais bien, mais je voulais vraiment tester les rollers quad. Dans mon garage, j'ai commencé à faire du roller dans mon garage parce que j'avais un peu peur du regard des gens, donc peur d'avoir les bases dans mon garage, j'ai commencé. Le regard des gens, ouais, ça va depuis peu en fait, parce que je suis partie à Nîmes il y a 2 semaines et j'ai commencé à danser un peu. Il y a la foule autour de moi et ouais, le regard des gens, ça va maintenant, ça va mieux. J'ai encore un peu de mal, mais ça va mieux. Je me suis sentie assez à l'aise en fait dès le début. J'avais envie de bouger partout, mais non, assez à l'aise. Je faisais des petits pas de danse, c'est comme si je dansais en fait. C'est comme si j'étais avec mes pieds que je dansais. Mais c'était... Non, je me sentais bien, je me sentais bien. Mon papa, ma famille en fait, mon papa et mes sœurs et frères, ils me regardaient faire, regardaient comment je pratiquais quoi. Non, ça va. Du moment où j'ai de la musique dans les oreilles, ça va. Pas trop stress. Et puis, j'ai pas trop peur des chutes. Donc, non, pas trop stressée quand j'ai commencé à faire du roller. Ouais. Je suis bien tombée plusieurs fois. Mais en fait, c'est quand j'essaie de faire des trucs un peu plus durs. Par exemple, tourner, faire des vrais pas. Oui, je suis tombée sur le coccyx plusieurs fois. Mais heureusement, rien de cassé. Et au niveau des poignets, ouais, j'ai pris cher. Pour le moment, j'aime bien quand je roule sur les deux roues avant. Je trouve ça stylé. En plus, c'est assez dur, donc je suis contente et j'aime bien. Si la personne veut commencer à faire du roller, je lui conseille vraiment de commencer avec de la musique et de se laisser aller. Faut pas chercher à faire des pas très compliqués dès le début. Faut commencer à faire des pas de danse comme si on n'avait pas de roller dans les pieds. Et après, ça va aller tout seul. Après, on apprend. Tu peux regarder des tutos, tout ça, mais normalement, il faut sentir le feeling et ça le fait. Ça le fait.